بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كتاب الزكاة الزكاة تعرف بأنها من يعرف لا أحد يعرف تعريف الزكاة في الإسلام لغة النماء لو chapitre de la وشرعا de la zakah عبادة donc c'est une adoration عبادة qui contient qui consiste à sortir une partie particulière venant d'une catégorie particulière d'une quantité particulière. Et on va voir précisément dans quelle catégorie on a l'obligation de sortir cette aumône et quelle est sa quantité et à qui on doit la donner. On va voir toutes ces choses-là précisément par la suite, Inch'Allah. Certains savants rajoutent en plus de cela la définition du seuil imposable. الله سبحانه وتعالى قال فيه وآتوا حقه concernant ce qui sort de la terre, c'est-à-dire les légumes et les fruits, on verra par la suite. Allah dit et donnez son droit le jour où vous faites la récolte. Là, il existe ce qu'on appelle les trésors en français, assez vulgairement. C'est-à-dire que c'est ce qui a été enterré comme chose à l'époque d'avant l'islam. Si quelqu'un trouve sur ça, par exemple, est-ce qu'il doit en sortir une zakat? Ça dépend. Regarde ce qu'il y a dedans. Si jamais on trouve dans ce trésor une indication, quelque chose qui indique que cela était antérieur à l'islam, alors, on va le diviser en 5 catégories. Par exemple, si il vaut 5 millions d'euros, tu dois sortir le cinquième. Et le reste, tu le gardes. C'est-à-dire que tu vas sortir 1 million et le reste, tu le gardes. Et si on voit qu'il existe des indications, des signes qui indiquent qu'il fait partie, qu'il a été enterré après l'islam, alors à ce moment-là, il sera des règles particulières et on le verra plus tard dans un chapitre particulier. La zakat se divise en plusieurs catégories. Une obligatoire et une surérogatoire. Et dans la zakat obligatoire, il y a deux catégories aussi. Une dans les biens et une pour les corps. Une pour les biens et une pour les corps. Celle pour les corps, c'est la zakat de la rupture du jeûne. Et ça, on verra plus tard, Inch'Allah. Quant à celle en rapport avec les biens, on va suivre ce que dit l'auteur, Rahimahullah. Quel est le jugement de l'aumône, de la zakat? C'est un des piliers de l'islam, mais c'est obligatoire. D'après le Coran, la tradition du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le consensus de la communauté. Il faut savoir que ce bien-là qu'on possède, il doit rester pendant un an complet. À savoir qu'on fait référence dans cette année-là au mois islamique, que ce soit dans la viduité de la femme divorcée ou veuve, ou encore les expiations ou autres qui est lié au temps, il faut se baser sur le calendrier islamique. Généralement, les commerçants chez nous, ils limitent un moment précis pour le moment où ils sortent leur zakat. Et généralement, c'est le mois du Ramadan. Est-ce qu'ils font ça dans le but d'adorer Allah Azza wa Jal? Non. Des fois, les mois de l'année passent tous ensemble, et tu ne fais pas attention au moment où tu dois sortir la zakat, sauf au mois de Ramadan. Alors, comme au mois de Ramadan, on est attentif à ces choses-là, alors on sort notre zakat au mois de Ramadan. Tous les ans, ils sortent leur zakat au mois de Ramadan, tous les ans. On leur demande...
Le prophète était connu pour être le plus généreux pendant le mois de Ramadan. Et c'est ce qui pousse les commerçants chez eux à faire cela, à sortir le zakat pendant le mois de Ramadan. Donc il est possible des fois, dans certains cas, d'avancer la date de la sortie de la zakat, légèrement au niveau du temps. Donc il voit par exemple qu'il fait très froid, comme aujourd'hui, en Syrie, les gens ils meurent tellement il fait froid. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va sortir plus tôt sa zakat. Ah, il écrit aussi, donc il fait un testament dans lequel il s'adresse à ses héritiers, dans lesquels il prévient qu'il a sorti la zakat avant la date finale de 2 mois. Donc ce qui doit être pris en considération chez nous dans l'islam, c'est hier on a parlé dans le chapitre relatif aux menstrues que la femme elle avait ses règles qui devaient se baser sur le calendrier islamique. Donc chez nous, ce qui est compris en considération, c'est le calendrier islamique et pas autre chose. Donc dans chaque des catégories dans laquelle la zakat est obligatoire, il faut obligatoirement qu'il atteigne le seuil imposable. Lorsqu'il atteint ce seuil-là, la zakat devient obligatoire. Exemple, l'or. Quelqu'un, par exemple, il a de l'or. Une femme, elle a de l'or, par exemple. Combien vaut cet or-là? Est-ce qu'il a atteint le seuil imposable ou non? On regarde. Elle prend cet or-là et elle le pèse. Et on trouve que cet or-là, il pèse 200 grammes. Donc, dans ce cas-là, il aura atteint le seuil imposable. Et on va voir ensemble que dans l'or, que le seuil imposable, c'est 85 grammes. Donc si la 50 grammes par contre, alors elle n'aura pas de zakat à sortir. Ça c'est le seuil pour c'est la définition du seuil. Il y a certains savants qui citent une unité de mesure qui s'appelle al-waqs. Ça ce n'existe pas en français, c'est une unité de mesure, et qu'on trouve spécialement dans les bestiaux, qui sont les chameaux, les bœufs et les ovins. Donc les chameaux, donc camélidés, bovins et ovins. Ici, il fait référence aux bêtes qui sont spécialement celles qu'on fait sortir, donc on amène à l'extérieur pour toute l'année ou la grande majorité de l'année, qui mangent de ce qui est licite. Qu'est-ce que ça veut dire ici, le licite? Son sens ici, c'est-à-dire qu'elle paie, c'est-à-dire qu'elle va paître dans les champs, hein, de l'herbe, des choses naturelles. Et qu'on les fait sortir à l'extérieur et on leur fait manger, paître toute l'année ou la grande majorité de l'année, ce qui est naturel et licite. C'est-à-dire ce qui a poussé naturellement sans que l'être humain ne soit intervenu pour que cela pousse. Et que ces terrains-là n'appartiennent à personne. Comme on voit dans les champs, dans les vallées, ainsi de suite. Donc ces bêtes-là, hein, qui font partie des bestiaux, et qui sont qu'on emmène paître de cette façon, c'est dans cette catégorie-là de bêtes qu'on doit sortir la zakat. Donc al-waqs, comme on a dit tout à l'heure, c'est ce qui nous permet de savoir qu'est-ce qu'on sort en fonction du nombre des bêtes qu'on possède. Exemple, on va voir avec les chameaux. Par exemple ici, si j'ai 5 chameaux, chaque fois que j'ai 5 chameaux, je dois sortir un chameau. Pardon, je dois sortir un mouton. Si j'en ai 7, un mouton. Si j'en ai 9, un mouton. Donc, on se base ici sur chaque 5. Si j'ai 5 chameaux, je dois sortir un mouton. Si j'en ai 6, 7, 8 ou 9, tout ça, on appelle ça « works ». C'est-à-dire qu'on a une détermination. Soit j'ai, à partir de 5, je dois sortir un mouton. إخوانا الذي لا يعرف الحساب
Donc là, le cheikh est en train de dire que la détermination de la zakat concernant les bestiaux est due au nombre de bêtes que l'on possède. Donc il faut absolument connaître le calcul pour savoir combien de bêtes on doit sortir. Donc le mot waqs, il concerne le nombre de bêtes que l'on possède entre deux délimitations. Donc à partir d'un nombre précis de bêtes, on a un nombre précis de bêtes à sortir en tant que zakat. Si, quand on a 5 chameaux, on doit sortir un mouton. Quand on en a 10, on va voir qu'on devra en sortir d'autres en plus. Mais si j'ai entre 5 et 10, eh ben le nombre ne change pas. Donc que j'ai 5, 6, 7, 8 ou 9, ce sera toujours un mouton. Ce sera à partir de 10 que là le chiffre il va changer. Et donc ce qu'on trouve entre les deux délimitations obligatoires, ce qu'on appelle les farid et patayin, ce qu'on trouve entre les deux, ça s'appelle le waqs. Et le waqs, il n'y a pas de supplément à donner en plus. Ibn Qayyim rahimahullah, il dit que la base, si jamais tu vois une croix, c'est qu'elle soit détruite. Pourquoi? Parce que les chrétiens la glorifient et l'adorent en pensant que leur Seigneur a été crucifié dessus et tué. Donc on revient au waqs. C'est ce qui se trouve entre deux délimitations obligatoires. Des fois le waqs, il est très très grand, comme on va voir ici par la suite quand ça concerne les moutons. Donc on revient. Si j'ai 40 moutons, ça c'est la délimitation, je dois sortir un mouton en zakat jusqu'à 120. Donc c'est là que la zakat va changer. Et tout ce qu'on a entre 40 et 120, ça s'appelle wax. C'est-à-dire que ça ne va pas augmenter la zakat de ce que je dois sortir sur 40 bêtes. J'ai 40 bêtes, je dois sortir un mouton. J'ai 40 moutons, je dois sortir un mouton. Si j'ai 119 moutons, je devrais en sortir toujours un seul mouton. Donc la quantité de moutons qu'on possède qui se trouve entre les deux délimitations obligatoires qui sont 40 et 120, c'est ça qu'on appelle waqs. Et cette caractéristique-là, le waqs, on ne le trouve que dans les bestiaux. La zakat, elle est obligatoire aussi. Elle est obligatoire dans 4 catégories. Premièrement, donc, les bestiaux qui sont sortis toute l'année ou la majorité partie de l'année à l'extérieur et qui sont nourris de ce qui pousse naturellement. Ce n'a pas eu besoin à ce que l'être humain il participe à son existence. Et cette source de nourriture, donc l'herbe ou bien ce qui est donné à manger aux bêtes, elle appartient à personne. Donc quelqu'un, un berger, fait sortir ses bêtes, il trouve une parcelle de terre où il y a de l'herbe, et il emmène ses bêtes paître là-bas. Toute l'année, ou une grande partie de l'année, la zakat sera obligatoire sur cette catégorie de bêtes-là. Donc, si je fais référence au terrain dans lequel on emmène nos bêtes paître, on a dit qu'il faut que celle-ci n'appartienne à personne. Et quand on dit la personne, on parle d'être humain. Bien sûr, on parle. Sinon, on sait que ça appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Si quelqu'un a des bêtes, mashallah, il a 1000 moutons par exemple. Il vient et demande, est-ce qu'il y a une zakat dans cela? On lui demande comment tu fais pour nourrir ces bêtes-là. Il dit, je leur achète du foin. Est-ce que c'est une saïma? Est-ce que ça rentre dans la partie obligatoire, dans la catégorie dans laquelle on sort la zakat? Non, ça ne rentre pas là-dedans. Si quelqu'un vient et dit j'ai des bêtes, on lui demande comment tu les nourris. Il dit Mashallah, il y a beaucoup de terre autour de chez moi. Elle va là-bas, elle se nourrit et moi je lui donnerai à manger. Alors on lui dira que celle-ci, elle rentre dans la catégorie dans laquelle il y a obligatoirement une zakat. Donc
il dit il dit que il y arrive dans l'année qu'il y ait 2 mois, 3 mois, 4 mois quand il n'y a pas beaucoup de d'herbe ou de quoi leur donner à manger de façon naturelle, ce mois je viens et je lui rajoute. Donc, comme on voit que la partie où il nourrit ses bêtes dans le temps qu'il leur donne est inférieure à l'année, c'est-à-dire à la moitié de l'année, alors on lui dira où il sortira la zakat dessus. Si par contre le temps dans lequel il leur donne à manger lui-même, parce qu'il n'y a pas suffisamment dans ces terres-là, il est supérieur à la moitié de l'année, alors on lui dira qu'il n'y a pas de zakat dans cela. Et quand on dit le mouton, il faut savoir que c'est plus général que ça. Ça concerne les ovins, donc les moutons et assimilés, et aussi les caprins, c'est-à-dire tout ce qui est chèvre et assimilé. Ça aussi, ça inclut dans cela. Si quelqu'un il a des chevaux, par exemple, est-ce qu'il a la zakat à sortir? Non. S'il a des gazelles, il n'a pas non plus de zakat à donner. Donc là, on parle de trois choses. Les camélidés, c'est-à-dire les chameaux assimilés, les bœufs assimilés et les ovins assimilés, auxquels on rajoutera les caprins. Donc tout ce qui ne fait pas partie de cela, il n'y a pas de zakat dedans. Et dans ces trois catégories-là, il faut que ce soit des bêtes qui sortent à l'extérieur et qui mangent de ce qui est naturel, ce qu'Allah il a créé, sans que l'être humain ne vienne faire quelque chose pour que cela existe, pour que cela pousse, je veux dire. On a aussi tout ce qui sort de la terre, que ce soit les légumes, tout ce qui sort de la terre et qui pousse des arbres. Donc, est-ce qu'on va dire qu'il y a une zakat dans le coriandre, par exemple? Est-ce qu'il y a une obligatoire pour... comment ça peut devenir? Pour les légumes verts que l'on met, par exemple, dans certains aliments. Est-ce qu'il y a la zakat dans les pommes, dans les fruits? Non, il n'y a pas de zakat dans ces choses-là. Pas dans les fruits et dans les légumes. Non, c'est dans les graines, hein, ce qui a à l'origine une graine et des noyaux. Hein, est-ce que pour ce qui sort de la terre, on doit attendre un an ou non? Non, c'est le jour de la récolte que l'on sort la zakat. Et là, on regarde comment cette récolte a eu lieu, plus précisément comment on a semé ces graines là. Comment est-ce que tu arroses ces graines? S'il nous dit, nous chez nous, on n'a pas besoin d'arroser nos graines parce qu'il pleut beaucoup chez nous, donc la pluie elle est suffisante. Donc, si on lui demande comment il arrose, il dit, moi j'arrose pas, c'est la pluie qui s'en occupe. Celui-là, on l'appellera chez les savants. En gros, c'est quelqu'un qui sème et qui n'a pas besoin de financer l'arrosage de ce qu'il a semé. Ça vient d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, de la pluie. Donc lui, il devra sortir la zakat. Mais maintenant combien? Si, par exemple, il a 100 tonnes de blé, donc là, il a dépassé le seuil imposable. Combien devra en sortir? Il devra en sortir le dixième. Et le reste, il fait ce qu'il veut dans ce qu'il reste. Ça, c'est pour celui qui n'arrose pas ce qu'il a semé. C'est un arrosage naturel dû à la pluie. Si quelqu'un, par contre, c'est lui qui s'occupe d'arroser ce qu'il a semé, hein, de façon artificielle, il vient, il achète des machines, et il arrose ce qu'il a, lui, par contre, il devra sortir la moitié du dixième. Donc, s'il avait 100 tonnes, il devra sortir 5 tonnes, et pas 10. Donc, ces choses-là doivent être compris car tu es un musulman, c'est partie de l'islam. Et là, on passe à l'or et à l'argent. Et à la monnaie qu'on a aujourd'hui, la monnaie d'argent et de billets.
donc l'or, l'argent et la monnaie qui sert de transaction à faire les transactions aujourd'hui. Pour l'or, le seuil important c'est 85 grammes. Donc quand un an passe, tu pèses l'or que tu as. 85 grammes, il y a la zakat à sortir. C'est 70 grammes, il n'y a pas de zakat à sortir. Comment il fait pour savoir combien il doit sortir? Il divise par 40. Et il n'y a pas de problème. Et pour l'argent, le seuil imposable est de 595 grammes. Maintenant, l'argent, c'est quoi? Quand on parle d'argent, pardon, c'est la monnaie, ce qu'on possède comme monnaie. Parce que l'année elle passe, que le mois du Ramadan il arrive par exemple, et quelqu'un, il a 40 milliards d'euros. Il a atteint le seuil imposable sans aucun doute. Comment on peut voir le seuil imposable de ce qu'on possède comme monnaie aujourd'hui? On regarde la valeur de 85 grammes d'or approximativement. Par exemple, ça équivaut à 3000 euros à peu près. Ça c'est pour l'or. Et pour l'argent, 595 grammes d'argent, ça revient à peu près à 2000 euros. Donc, si quelqu'un, il a 40 milliards, donc il n'y a aucun doute sur le fait qu'il ait atteint le seuil imposable de l'or et de l'argent. Donc combien il y a dans 40 milliards? Il y a 1 milliard. Parce qu'on a dit qu'on divise par 40. Donc s'il a 40 milliards d'euros pendant... Après un an, il devra en sortir 1 milliard. Donc regarde le seuil imposable de l'or et celui de l'argent. Et tu regardes leur valeur et tu l'appliques sur ce que tu possèdes comme monnaie, comme argent en tant que monnaie, bien sûr. Quelqu'un a 1000 euros pendant un an. Il les a eu au Ramadan dernier. Au Ramadan prochain, l'année elle arrive. Elle est passée et il a 1000 euros. Regarde. On prend 85 grammes, on voit la valeur, on voit que ça vaut 3000 euros. On voit l'argent, 595 grammes d'argent, ça fait 2000 euros. Lui, il a 1000 euros. Est-ce qu'il a une zakat à sortir dedans? Non. Mais comme cette valeur-là de l'or et de l'argent, elle change tous les ans, donc tous les ans, on doit regarder la valeur de l'argent et faire la multiplication et regarder si ce qu'on possède comme monnaie, comme argent, monnaie, est égal ou supérieur à ce seuil-là, et alors on sortira la zakat. Sinon, on n'a pas à sortir la zakat. Et il est obligatoire de savoir ces choses-là, et on doit savoir compter pour faire ces choses-là. Et grâce à Allah, aujourd'hui, tout le monde sait compter, donc techniquement, il n'y a pas de difficulté à avoir dans ces choses-là. Aujourd'hui, c'est plus toi qui compte, c'est les logiciels, l'ordinateur et Google. Et ça, c'est une erreur. C'est à cause de ça, les gens ne savent plus compter. Et si t'as mal rentré les chiffres dans le logiciel que tu utilises, et bien, tu auras un résultat qui sera faux, et après, tu ne seras pas acquitté de ton obligation. C'est comme pour l'héritage. On sait que chaque personne de la famille, ils ont des parties de l'héritage particulière et précise, comme la mère, comme l'enfant, le sixième, le dixième, et ainsi de suite. Et cette partie, elle peut augmenter ou diminuer en fonction du nombre de personnes qui vont hériter. Donc, des logiciels, généralement, qui s'occupent de ça, ils ne sont pas précis parce qu'ils ne prennent pas en compte cette différence. On passe à la troisième catégorie. La quatrième catégorie, c'est le bénéfice dû au commerce. Donc tout ce qu'on va acheter ou préparer pour le commerce et tout ce qu'on va en gagner. Quelqu'un, par exemple, il a des moutons. Il a 1000 têtes. 1000 têtes de moutons, par exemple. 1000 têtes, c'est-à-dire 1000 moutons. On lui demande comment est-ce que vous pour manger. Il dit, c'est moi, je leur ai acheté de quoi manger toute l'année. Est-ce qu'il doit payer la zakat ou pas? Non, il n'a pas payé la zakat parce que ces bêtes-là, elles mangent de ce que lui, il leur donne, ce qu'il va leur acheter. Il ne mange pas de choses qui poussent naturellement de la terre. Par contre, s'il dit que je les ai achetés, ces moutons-là, pour le commerce, alors lui devra payer la zakat.
Quelqu'un achète des voitures. De toutes les sortes. Est-ce qu'il doit sortir la zakat de si? Oui, parce qu'elles sont préparées, elles sont achetées pour le commerce. Donc là, on va voir le plus difficile, comme ça après, on passe au plus simple par la suite. C'est comment, qu'est-ce qu'on sort comme zakat pour les bêtes? Donc on commence avec les chameaux. Quelle est une bosse ou deux? Les chameaux ont différents noms. Si elle est petite, on l'a. Quand elle est petite, on l'attribue à sa mère. Et quand elle grandit, on lui donne son propre nom. Donc les noms, ils sont en arabe, ils n'ont aucun équivalent en français. On va les expliquer avec leur sens. Donc il y a celle, le chameau, pardon, qui a un an, au moment où sa mère, elle est encore dans ses lochis. D'accord? Et ça, on l'appelle la fille de celle qui a ses lochis chez les chamelles, et c'est celle qui a un an. Bintou Mahab. On l'attribue à la fille à sa mère. C'est-à-dire la mère qui est encore en période de lochis. Donc le chameau, la chamelle qui a un an, on l'appelle la fille de la chamelle qui a encore ses lochis. Celle-là, elle a un an. Ensuite, on a celle qui a deux ans, c'est la fille de celle qui allait, qui a du lait, bint laboun, laban, le lait. Après, on a le chameau qui a trois ans. On l'appelle hiqqa. Là, on ne l'affilie plus à sa mère, on lui donne son propre nom. Et là, ça fait référence à la femelle qui est capable d'accueillir le mâle. Si vous voyez ce que je veux dire. Ça, c'est celle qui a 3 ans. Quand elle a 4 ans, elle a un autre nom, c'est Jada'a. Et ce sont ces 4 catégories-là dans lesquelles il y a la zakat. Celle qui a 1 an, celle qui a 2 ans, celle qui a 3 ans et celle qui a 4 ans. Ces 4-là, on ne peut pas s'en servir dans le sacrifice de l'Aïd, par exemple. Parce qu'il faut que l'offrande du sacrifice, l'offrande pour le pèlerin, quand il fait le sacrifice à la Mecque, il faut obligatoirement qu'il ait 5 ans. Donc les 4 qu'on a cités ne rentrent pas dans cela. Ça, c'était en plus, ça ne rentre pas dans la zakat. Par exemple, on a quelqu'un qu'on va nommer Hussein. Il a 4 chameaux. Ben celui-là, il n'a pas de zakat à sortir. Sauf si lui. Il le veut de lui-même, il n'y a pas de problème. Mais il n'a pas d'obligation de le faire parce qu'il en a 4. S'il a 5 chameaux, à partir de 5 jusqu'à 24 chameaux, la zakat, on regarde pas la nature. Donc, si on a de 5 à 24 chameaux, la zakat, elle sera avec un mouton et pas un chameau. Et c'est à partir de 25 chameaux que la zakat, on la paiera avec un chameau. Si j'ai 3 chameaux, qu'est-ce que. J'ai pas de zakat à payer. 4 chameaux? Il faut qu'on sache qu'on a à la base, il faut garder dans sa tête qu'on a comme moyen de calcul la table de 5. Chaque fois qu'on est dans un multiple de 5, là on va avoir une zakat différente. Sinon, entre ces multiples là, il n'y a pas de changement. Donc, à partir de 5, on a un mouton à payer. 5 chameaux, un mouton à payer. 5 chameaux, un mouton à payer. 6 chameaux, un mouton à payer. Jusqu'à 10. Là, ça changera. À 10, on paye 2 moutons. 14 chameaux, 2 moutons toujours. Quand on passe à 15, là, on va passer à 3. On va passer à 3 moutons. Et ainsi de suite. 20 chameaux, 4 moutons. Et entre chaque multiple de 5, il n'y a aucun changement.
Si j'ai 25 chameaux, là ça change. Là ça change. Alors, il faut savoir qu'il y a un hadith dans lequel tout cela est expliqué. Donc, soit tu l'apprends par cœur et tu le comprends et tu le mets en pratique, soit tu retournes au tableau qui ont été faits dans ce but-là. Si j'ai plus de 120 chameaux, pour chaque fois que j'ai 50, je dois sortir une chamelle de 3 ans. Et pour chaque 40, je dois sortir une chamelle de 2 ans. Pour 50 chameaux, une chamelle de 3 ans. Pour 40 chameaux, une chamelle de 2 ans. Si j'ai 100 chameaux, je dois sortir 4 chamelles de 3 ans. Parce que 4 fois 50, ça fait 200. Je peux aussi sortir 5 chamelles de 2 ans. Pourquoi ? Parce que 5 fois 40, ça fait 200. Donc soit on prend tous les 50 une chamelle de 3 ans, soit on prend tous les 40 une chamelle de 2 ans. Si j'ai 210 chameaux, si j'ai 210 chameaux, je ne pourrais pas sortir 4 chamelles de 3 ans. Parce que 4 fois 50, ça ne fait pas 210, ça fait 200. Donc là, ce sera faux. Ce sera faux. Donc comment je devrais sortir à ce moment-là? Je devrais sortir une chamelle de 3 ans, parce que ça équivaut à 50 chameaux. Si j'ai 509 chameaux, je devrais sortir 5 chamelles de 3 ans. Et le plus, il ne compte pas. Si j'ai 605 chameaux, non, 12 chamelles de 3 ans. Et ce qui reste, ça ne compte pas. Donc à partir de 5 chameaux jusqu'à 24. Pour chaque 5, on doit sortir un mouton. Si j'ai plus de 25, on regarde dans le hadith ou les tableaux dans lesquels tout cela est précisé. Si tu as plus de 120, alors là tu regardes les groupes de 40 ou les groupes de 50. Si c'est 40, alors ce sera une chamelle de 2 ans. Et si c'est 50, ce sera une chamelle de 3 ans. Là on va passer aux vaches, aux bovins. Il avait un cheikh, le cheikh qui disait, et ceux qui ne connaissent pas comment calculer la zakat des bakar, des vaches, et ben ceux qui ne savent pas calculer la zakat des bœufs, et ben c'est un bœuf. Et parce que c'est le plus simple, entre guillemets, à calculer. Donc là, on passe au nom des vaches, des bœufs plutôt. Ce qu'on appelle at-tabi'a, que ce soit un mâle ou une femelle, c'est le bœuf qui a un an. Donc, c'est un veau. Et l'adulte, c'est celui qui a deux ans. Ça, c'est au niveau des noms. C'est quoi maintenant le seuil des bœufs?
sont imposables de la zakat quand, en fonction du nombre de bœufs. Pour chaque 30 bœufs, jusqu'à 39 bœufs, on doit sortir un veau d'un an. Si j'ai 40 bœufs ou plus, je sortirai un bœuf de 2 ans, un veau de 2 ans. Donc, si j'en ai 30 ou plus jusqu'à 40, jusqu'à 39, je sortirai un veau de 1 an. Si j'ai 40 ou plus, alors je sortirai un veau de 2 ans. Si j'ai 62, on doit sortir deux veaux d'un an. Si j'ai 69 bœufs, deux veaux d'un an toujours, ça ne change pas. Si j'en ai 80, là je devrais sortir deux veaux de 2 ans. 89, deux veaux de 2 ans, pareil, ça ne change pas. Si j'ai 90, là je devrais sortir 3 veaux d'un an. Si j'ai 100 bœufs, donc si j'ai 100 bœufs, je devrais sortir 3 veaux d'un an. Et là on passe, donc pour récapituler, la marge, hein, plutôt le chiffre sur lequel on va se baser, chez les bœufs, c'est 30 ou 40. Et on va compter tous les 30, tous les 40. Et ce qui va être en plus, hein, de 1 à 9, ça n'est pas à prendre en compte. Si on a 30 ou un multiple de 30, ce sera un veau d'un an ou multiplié par le multiple. C'est-à-dire si j'ai 30 bœufs, un veau d'un an, 60 bœufs, deux veaux d'un an, 90 bœufs, trois veaux d'un an, et ainsi de suite. Et ce qu'il y a de 1 à 10, de 1 à 9, on ne prend pas en compte en plus. Donc là, on passe aux ovins, donc les moutons et assimilés. Comment est-ce qu'on fait pour sortir la zakat à partir de combien de bêtes qu'on possède? Donc sachez que les calculs en question dont on parle là, il faut s'entraîner, il faut s'habituer, sinon ça sera difficile. C'est comme ce qui a un rapport avec l'héritage et les parts de l'héritage, c'est la même chose, il faut compter, sinon, et s'entraîner, s'habituer, sinon on n'y arrive pas. Donc il faut s'habituer à faire ce genre de calcul là. لدينا خلطة في الغنم هذا لديها غنم وهذا لديها غنم وضعوها في مكان واحد راعي واحد محلب واحد. Si j'ai deux bergers qui ont tous les deux des moutons qui font paître dans le même endroit, c'est-à-dire qu'ils mangent de la même herbe par exemple, ils sont mélangés, comment on fait pour à ce moment-là? Il y en a 20, l'autre il en a 20. Si on prend chacun d'entre eux à part, ils n'ont pas atteint le seuil imposable. Mais si on fait le cumul de tout ce qu'ils possèdent tous les deux, ça atteint le seuil imposable. Et ils devront, pour les 40 bêtes totales des deux personnes, sortir un mouton. Donc ça voudrait dire qu'ils auront chacun l'obligation de sortir la moitié d'un mouton. Donc ils prennent un mouton ensemble et ils le séparent en deux et sortiront chaque moitié en zakat. Les professeurs, quand ils veulent tester leurs élèves, ils leur posent des questions de ce genre-là. Ou bien ils vont prendre des... On va prendre des valeurs exactes et leur demande combien de zakat ils doivent sortir dessus. Par exemple, 160 dirhams,
Combien de zakat on sort dessus? Man ya'rif. Khata. Khata. Il n'y a pas de zakat dans cela parce qu'il n'a pas atteint le seuil imposable, 160 dirhams. C'est comme ça que les savants ils testent leurs élèves. C'est à partir de 200 dirhams. Là, on dira qu'il faudra en sortir 5 dirhams. Si c'est inférieur à cela, il n'y a pas de zakat à sortir dans cela. Donc là, on passe à ce qui sort de la terre, que ce soit des graines. Ou des noyaux. Est-ce qu'on regarde, on attend qu'un an y passe? Non, c'est le jour de la récolte où on sort la zakat. Le jour de la récolte où on sort la zakat. Verset où Allah dit, et donner son droit le jour de sa récolte. Si quelqu'un trouve un trésor, le jour où il trouve ce trésor-là, eh bien, il en sortira le cinquième. À partir du moment où celui-ci date d'avant l'islam. Donc là, on revient à ce qui sort de la terre. Et si la récolte elle est inférieure à 60 sa'a, le sa'a, c'est 4 fois ce qu'on peut réunir entre ses deux mains. Donc ce qui est inférieur à 60 sa'a, eh bien, il n'y a pas de zakat. C'est-à-dire 300 sa'a si on fait la multiplication. Quelqu'un, par exemple, il a du blé. Il a pesé et ça équivaut à 250 sa'a. Il n'y a pas de zakat. C'est à partir de 300 sa'a qu'on sort la zakat de ce qui est récolté. Donc on regarde comment on arrose ce qui a été semé. Si c'est artificiel, ce sera la moitié du dixième. Si c'est naturel, ce sera le dixième de la récolte. Après, on a les bénéfices dus au commerce. On divise par 40, comme l'argent et l'or. Et on regarde s'il a atteint le seuil imposable, que ce soit celui de l'or ou de l'argent. Maintenant, on dit que quelqu'un a des moutons par exemple, 40. Il doit en sortir un en tant que zakat. Comment il le sort ce mouton qui va sortir en tant que zakat? Ce qu'il prend le plus beau, le plus graisseux, ou bien ce qu'il prend le plus mince, le moins beau. Non, il prend le meilleur. Si quelqu'un a des biens qui valent, il a des moutons qui vaut 1000 euros par exemple, et d'autres qui valent 3000 par exemple, et d'autres qui valent 2000 par exemple. C'est-à-dire que 1000, c'est le moins bon. 3000, c'est le meilleur. On va prendre lequel? On va prendre l'intermédiaire, celui qui fait 2000. Si quelqu'un vient et dit, et moi je vais donner le meilleur de ce que j'ai, celui qui vaut 3000, celui-là, mashallah, c'est très bien. Quoi qu'il en soit, il doit sortir au minimum l'intermédiaire et pas le plus mauvais de la qualité qu'il possède au niveau des bêtes. On passe à la zakat de la rupture du jeûne. Ça, c'est la zakat du corps. Donc, le jour de la fête, comme on l'a vu précédemment, il faut obligatoirement donner une offrande. La sagesse de la législation de cette aumône-là, hein, premièrement, on se soumet à l'ordre d'Allah Ta'ala et on en est satisfait. Et en plus, ensuite, c'est une purification pour les futilités qui ont eu lieu durant le jeûne, qu'elles soient verbales ou d'ordre gestuel. Donc, toute chose qu'on a fait futilement et inutilement pendant notre jeûne qui a pu avoir une incidence sur celui-ci, on va le purifier, notre jeûne, avec cette offrande-là, le jour de l'Eid. Et ce jour-là, le jour de l'Eid, on le commence avec une adoration une particulière, notamment en faisant preuve de bienfaisance à l'égard des pauvres. Donc c'est un jour particulier qui demande des choses particulières.
et le début de la journée, il commence avec ses adorations particulières. L'aumône de la rupture du jeûne est obligatoire pour toute personne sur laquelle le soleil du dernier jour du Ramadan s'est couché. Et les musulmans, bien entendu. Qu'ils soient petits ou grands. Un homme ou une femme. Si quelqu'un il se convertit à l'islam avant l'adhan de Maghreb, juste avant le dernier jour du mois de Ramadan, est-ce que il aura l'obligation de sortir la zakat de le fitr, de la rupture du jeûne? Oui, parce que le soleil s'est couché après qu'il soit rentré dans l'islam. C'est qui doit sortir? C'est qui, pour qui cette aumône est obligatoire? On a dit pour le musulman, le pubère, même le petit, son tuteur le sort pour lui. Il est aussi recommandé de sortir cet aumône-là pour le bébé dans le ventre de sa mère. Il donne le plus, le surplus de ce dont il a besoin pour lui et sa famille comme nourriture. À qui il le donne, on va le voir après. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons le sortent en nourriture. Donc il est plus sûr de le sortir pour toi en nourriture aussi. Tu donnes de l'argent, donne de l'argent, mais donne de la nourriture pour l'aumône, pour tout le monde là. Le mieux, c'est quoi? De sortir du blé, du riz, des dattes ou autre. Regarde, c'est quoi le mieux pour les pauvres de chez lui. Nous, aujourd'hui, on sait qu'on a des pauvres. Si on lui donne des raisins secs ou bien des dattes, il ne va pas être content de cela. Même, il va nous dire, va donner ça à quelqu'un d'autre, moi je ne veux pas ça. Donc il faut donner ce qu'on mange, comme nous ici, de la semoule, du couscous, ou bien du riz, ou bien des pâtes. On peut donner tout ça comme en tant que commune de la rupture du jeûne. Tout cela rentre là-dedans, les spaghettis, n'importe lequel. Tout cela c'est bon, comme disait Cheikh Al-Hatim, rahmallah. Quel est le moment dans lequel on doit sortir cette aumône-là de la rupture du jeûne? On a le droit de la sortir de un ou deux jours avant le jour de l'Eid. Maximum, ça c'est le moment dans lequel il est permis de donner cette aumône-là. Et le meilleur moment pour la sortir, cette aumône-là, c'est entre la prière de l'Fajr, de l'aube, le jour de l'Eid, et la prière de l'Eid. Et le moment où il est interdit de la sortir, c'est après la prière de l'Eid. Il a dit quoi? Il a préparé son aumône, il a fait la prière de l'Fajr, il a dit après l'Fajr j'irai la donner. Et Allah il a voulu qu'il se soit endormi, qu'il s'est endormi. Et il s'est réveillé seulement à 10h. Et la prière de l'Aïd et Zakat al-Fitr, il n'a pas pu la faire. Qu'est-ce qu'il doit faire? Ceux qui se lèvent sur une prière, ceux qui se couchent pendant qu'il n'a pas pu, qu'il ne s'est pas réveillé pour faire la prière, ou qu'il l'a oublié, qu'il l'accomplisse quand il se réveille. Donc lui, il la sort, même si c'est après, parce que c'est pas de son propre greffe, de son propre chef qu'il a fait cela. Donc là, on récapitule. La définition de la zakat, c'est le fait de sortir une quantité particulière dans une catégorie de biens particuliers, dans une quantité particulière. Donc on a dit que c'est tout ce qu'on a cité doit être obligatoirement donné à 8 catégories de personnes et à personne d'autre que ceux qui sont cités dans ces personnes-là. Quant à la zakat, la sadaqa, l'aumône qui n'est pas obligatoire, on peut la donner à d'autres que ceux qui sont dans les 8 catégories. Donc on doit savoir c'est à qui que revient cette aumône et ces 8 catégories. Dans le verset, Allah il dit « Innama certes »
les aumônes. Et là, ça veut dire que c'est que pour cela et pour personne d'autre. Pour le besogneux. Hein, le fakir, c'est le besogneux. C'est qui le besogneux? C'est celui qui n'a rien, qui ne trouve rien. Ou bien il trouve le moins que ce qu'on a besoin pour la moitié de l'année. Bien sûr, parce qu'on donne aux gens la zakat, ce qui leur est suffisant pour un an. Pourquoi? Parce qu'on sort la zakat tous les ans. Tous les ans, les islamiques, on sort la zakat. Donc le besogneux, c'est celui qui possède moins de la moitié de ce dont on a besoin pour un an. Si on demande combien de riz il faut pour l'année, par exemple. On demande ça à quelqu'un, il dit, moi il me faut 50 kilos de riz pour l'année. Comment t'as de riz? Il te dit, j'ai pas de riz, j'ai rien du tout. Lui, c'est un besogneux. Si il te dit, j'ai 10 kilos de riz, c'est aussi un besogneux. S'il dépasse la moitié, il devient un pauvre. Tant qu'il n'a pas atteint. Donc c'est la 50 kilos de riz. Il n'est ni besogneux ni pauvre. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'il fallait 50 kilos de riz pour l'année. Allah a dit, en parlant des fils d'Israël, et il a fait de vous des rois. Comment cela? Tous les fils d'Israël étaient des rois? Oui, même nous, on est des rois. Comment cela? Comment ça se dit cela? Toute personne qui avait parmi eux avait une demeure, une épouse et une monture. Par Allah, ça c'est suffisant et ça fait de nous des rois. Et il a fait de vous des rois. C'est-à-dire que ça veut dire que l'un d'entre eux a une demeure, une épouse et une monture. Et la louange est à Allah. Ça c'est. Donc ce qui prouve qu'on est en général tous des rois. Ça nous montre à quel point Allah est généreux envers nous. Donc le besogneux, il a rien, ou il a moins que ce qu'on a besoin, que la moitié de ce qu'on a besoin pour l'année. Et le miskin, c'est celui qui a plus, il a l'équivalent de la moitié ou il a plus de la moitié, mais moins que ce qu'il faut pour une année. Donc eux, ils ont le droit. Vu que dans le cas, on a dit que si on a besoin de 50 kilos de riz pour une année, si quelqu'un a 51 kilos de riz, alors lui, on ne lui donne pas. Donc les besogneux et les pauvres et ceux qui travaillent pour elles. Qu'est-ce que ça veut dire? Si quelqu'un, par exemple, il donne si quelqu'un a une zakat de 1 milliard à donner, il la donne à son voisin, il dit tiens, prends-la et distribue-la aux pauvres et aux besogneux. Et lui prend la moitié du milliard et le garde pour lui. Et la preuve, c'est le verset qu'on vient de citer ici. Donc celui qui travaille pour la zakat, ce sont ceux qui ont été désignés par l'autorité pour distribuer l'aumône. Donc ils sortent et regardent l'état des gens. Celui qui a, il va compter ce qu'il possède, il va lui dire comment il doit sortir, et il va percepter l'impôt et il va aller le distribuer. Donc ceux qui travaillent pour la zakat, c'est-à-dire ceux qui sont, ce sont ceux qui sont désignés par l'autorité. Mais lorsque lui il va percepter l'impôt, et il ne pourra pas se servir dedans, parce qu'il est, à ce moment-là il est un garant. Il prend rien, il prend l'argent pour le ramener à l'autorité qui lui va s'occuper de faire le partage ou le calcul.
Donc les zakats sont pour les besogneux, les pauvres, ceux qui travaillent pour elles, et ceux dont on espère l'islam. C'est-à-dire ceux qui viennent se convertir à l'islam. Et l'aumône pour lui, c'est une cause pour le raffermir dans l'islam. Donc les zakats sont pour les besogneux. Et pour, ça indique ici la propriété, on le donne. On le rend propriétaire de ce qu'on lui donne. Le besogneux, le pauvre, celui qui travaille pour la zakat, pour celui qui vient de se convertir à l'islam. Donc on a la propriété qu'on offre aux pauvres, aux besogneux, à ceux qui travaillent pour la zakat et aux convertis à l'islam. Après, pour les esclaves, il n'a pas dit pour eux, il a dit dans les esclaves. Pourquoi ? Parce que l'esclave, il n'a pas de bien. Donc l'argent qui lui est donné, il n'est pas à lui, il est donné à son maître. Donc ce qui signifie que l'esclave, il a droit à la zakat, mais c'est pas à lui qu'on le donne, on le donne à son maître pour lui. On a ensuite les endettés. Donc soit il est endetté de lui-même, ou soit il est endetté d'un autre. Exemple, deux hommes se disputent, ou plutôt deux groupes de personnes se disputent. Des gens se disputent ensemble. Et quelqu'un, il vient, un cheikh, il vient, et il les réconcilie. Ils ont dit quoi ? Non, il n'est pas possible qu'on se réconcilie. Parce que un tel, il nous doit telle et telle somme d'argent. Et le cheikh qui vient les réconcilier dit quoi ? C'est bon, écoutez, moi je m'en occupe de sa dette, c'est moi qui vous la remboursera. Est-ce qu'à ce moment-là, le cheikh qui vient les réconcilier, on a le droit de lui donner la zakat ? On dira non, on ne donnera pas la zakat, parce que c'est lui qui s'est pris la dette d'un autre. Il a pris la responsabilité de payer la dette d'un autre. Donc nous, on ne va pas lui donner à lui pour qu'il la zakat pour qu'il puisse rembourser cette dette-là. On parle de celui qui doit payer sa propre dette. Et les gens vont te voir, ils disent, je suis endetté. On leur dit comment ? Ils disent, j'ai acheté une voiture. On va dire, comment ta voiture, tu l'as achetée ? 80 000 euros. Pourquoi 80 000 euros ? Ils disent, j'ai acheté une Porsche. Tu dis, mais subhanallah. Ils ont donné la zakat cette année-là ? Et l'année prochaine, Inch'Allah, je vais acheter une autre voiture aussi. Là, il faut que je sois en conformité avec mon temps. À la mode, comme on dirait. Est-ce qu'on lui, on va dire qu'il est endetté, lui ? Non, lui, il n'est pas endetté. Sinon, on aurait tous des Porsche. Donc après les endettés, et dans le sentier d'Allah. Ici, ça fait référence à quoi ? Est-ce qu'on va dire que ça concerne toutes les portes du bien ? Non, ce n'est pas possible que ce soit cela, le sens du verset. Sinon, le verset aurait été la zakat, elle est pour dans le sentier d'Allah, parce que ça englobe tout le monde. Et ça fait référence au jihad ici. Il y en a qui disent que l'étudiant et le savant, ils rentrent dedans aussi, parce que eux aussi ils sont dans, ils font le jihad. Il reste aussi le vagabond.
qu'on appelle en arabe le fils du chemin. Pourquoi ? Parce qu'il a quitté sa patrie. Il peut être chez lui, dans son pays, mais lorsqu'il est sorti, chez lui, quand il est dans son pays, il est riche, et c'est le fils de son père, mais quand il quitte sa patrie, on l'appelle le fils du chemin, parce qu'il n'a plus de pays. Et il a plus les moyens financiers de pouvoir rentrer chez lui. Donc il devient le fils du chemin. Quelqu'un, par exemple, il vient du Maghreb. Au Maghreb, il a de l'argent, il n'a pas de problème. Il a quitté son pays et il s'est retrouvé dans un autre dans lequel il n'a plus rien pour pouvoir rentrer chez lui. Il vient, lui demande de l'argent, de la zakat, pour pouvoir rentrer chez lui. Est-ce qu'on lui donne ? On lui donne, parce que c'est le fils du chemin, le vagabond. Voilà. Si quelqu'un a 40 milliards d'euros, veut sortir la zakat. Est-ce qu'il est obligatoire que je donne ça aux 8 catégories ? Est-ce que tu peux donner ça qu'à une seule catégorie ? Oui, je peux donner ça à une seule catégorie. Mais qui met en premier, qui met en dernier ? Il met en priorité celui à qui ça va être le plus utile, le plus profitable. Aujourd'hui, par exemple, on trouve un besogneux qui est étudiant en sciences religieuses. Et un besogneux qui n'est pas étudiant en sciences religieuses. On va mettre en priorité qui ? Celui qui étudie la science religieuse, parce que lui va se servir de cet argent-là pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce sera meilleur pour lui. On trouve un fils du chemin, un vagabond, qui n'a rien. Et un pauvre. Hein? On mettra en avant le fils du chemin qui n'a rien, parce que le pauvre, il a quand même quelque chose, même si c'est pas beaucoup. Le problème dans la zakat, chez beaucoup de personnes, c'est la perplexité de certaines personnes, qu'Allah nous guide ainsi que. C'est-à-dire, il est perplexe. Ou bien il cherche des moyens de ne pas sortir la zakat. Il a dit quoi ? On nous dit sors la zakat. Il a dit non, je ne sors pas la zakat, moi, j'ai payé déjà les impôts au pays. Vous voulez qu'on sorte le dixième de notre possession alors qu'on sort déjà l'impôt au gouvernement ? Non, moi, je ne sors pas la zakat. Et ça, c'est grave de penser comme ça. Ça, c'est un des exemples qui existent. Deuxième exemple, il sort la zakat pour qui ? Pour sa mère. Pourquoi ? Parce qu'elle est pauvre. Elle n'a pas l'argent. Il faut savoir que toi, tu as l'obligation de subvenir aux besoins de ta mère. Donc, tu n'as pas le droit de donner la zakat. Est-ce que je peux donner l'aumône à ma femme ? Dis-moi, je vais donner l'aumône à ma femme, à quelqu'un, par exemple. Si une femme, elle, par contre, avait donné la zakat à son mari, ou bien l'inverse, un mari qui veut donner à sa femme, ces gens-là, en fait, ils fuient l'aumône. Il ne veut pas que son argent, il le quitte, il aille loin de lui, il reste dans son entourage, comme ça, il a toujours un œil dessus et il pourra même en profiter. Et ça, c'est des ruses sataniques qui sont bien entendu interdites. Le prophète Hassim, il a dit quoi ? Il n'y a pas une personne qui ouvre la porte de la mendicité sans qu'Allah ne lui ouvre la porte de la pauvreté. On ne donne pas la zakat à quelqu'un qui n'est pas dans le besoin, quelqu'un qui est capable, qui a des compétences physiques pour travailler, ou bien quelqu'un qui a une profession, qui a étudié, qui sait travailler aussi. On ne sort pas la zakat pour les enfants, ceux pour qui on a l'obligation de se venir à ses besoins. On ne sort pas la zakat non plus, ni les aumônes pour les gens de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont les membres de la tribu de Banu Hashim et de Banu Abdel Muttalib et les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'on sort la zakat pour un mécréant ? Non, que pour les musulmans. Donc là, on a fait l'étude du chapitre relatif à l'aumône. Révisez bien ce qu'on a vu, écrivez-le, les calculs, faites en sorte de bien vous rappeler des résultats et des façons de compter.
Et avant de mettre en pratique ces calculs que vous venez d'apprendre, dans la vie réelle, pour vous, pour les autres, ne le faites qu'avant, qu'après, pardon, avoir confirmé cela auprès d'un savant qui atteste que vous êtes capable de bien compter et de bien calculer ces par-là. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa alhamdulillahi rabbil alamin.